Salutations tête de naze, je suis le chef et bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui au menu, un petit vlog vloguesque sur la création, mon parcours pour créer ma maison d'édition, notamment avec la campagne Isekaira, mon light novel parodie d'Isekai qui a Tonkar, t'es au courant, la campagne a cartonné, la version en vente en ligne a cartonné aussi. D'ailleurs, je vous invite à vous rendre sur Spatule Shop si vous avez raté le coche lors de la campagne de précommande. Vous ne regretterez pas, c'est un banger. Donc, tout au long de ce vlog, vous allez voir les différentes étapes par lesquelles on est passé avec Steven de la prod pour... organiser les livraisons, imprimer les livres et tout ça. On trouve que c'est intéressant de voir un petit peu le parcours. J'espère que ça vous intéressera. J'en profite aussi pour vous rappeler que la campagne de précommande de notre prochain projet en tant qu'éditeur, le Spatule Jump, est actuellement en cours. Au moment où je tourne cette introduction, on a déjà plus de 2000 contributions. Ça cartonne bien plus qu'Isekaira. On va aller bien plus loin. Ça fait énormément plaisir. Le Spatule Jump, je vous rappelle que c'est 5 auteurs mangaka francophones dans un recueil grand format, beau papier, gros grammage, page couleur et tout ce que tu veux. Donc ça va être un bête de projet. Le lien est également dans la description et très probablement dans le commentaire épinglé. Je vous invite à y jeter un œil et vous souhaite un bon visionnage. Ouais. Voilà. On va faire des premières cariésions qui arrivent. Oh. Ça va, ça se passe. Comment il galère. Je fais... C'est où déjà à gauche hein, là 2070. Voilà, vas-y, ouvre le pactage. On a stocké normalement, c'est des enveloppes. Hein. On a loué un espèce de stockage de 10 mètres carrés. Bon, on avait peur que ça soit trop petit, mais au final, ça a l'air d'aller. Hein. Ça a l'air d'aller. Bah, après, il n'y a pas que ça. Faut imaginer qu'on va avoir au moins ça au bouquin après. Oh. C'est pas le bon format. Il y en a combien en plus? 4000 hein, 3004. Encore un autre carton à ouvrir. Est-ce qu'on en prend une pour comparer avec celle qu'on a à la maison? Ah, une enveloppe, ouais. Ouais. Pas, pas... Ah, oui, pour un carton. Waouh! Ouais, c'est les mêmes. Moi, comme comparé, tu vois? Waouh! Enveloppe matelassée. À bulle. À bulle. Qualité premium. Oui, monsieur. Voilà, donc là, je revlog en mode selfie. Là, où on part de l'endroit où on a loué un box. C'est ça. Pour stocker la marchandise, hein, si on peut dire. Okay. Le stock. Alors pas tout, il y a une partie qui est dans les bureaux, on vous l'a déjà montré, parce qu'on fait du bruit de la place. Une petite partie. Ouais, parce que là... Ce qui est stockable au bureau. C'est stockable, on le garde à portée de main. C'est ça. Et là, le prochain truc qu'on doit... Bah normalement, demain, on reçoit tout ce qui est exfibris et posters, normalement. Ouais. Donc ça, pareil, ça va être au bureau, hein, normalement. Et au pire, si ça prend trop de place, on devra les mettre ici. Oui. Ah, c'est-à-dire qu'on va avoir 2500 posters, c'est ça? 2500 posters, ouais. 10 000 marque-pages. 10 000 marque-pages. On va avoir 5000 exlibris. On a pris 2005 de chaque. 2005 de chaque, ouais. Je pense qu'on n'a pas besoin de autant, mais il n'y avait pas trop le choix. 1200. Donc il y en aura trop. Voilà, donc au pire, on a un petit coin de stockage. Voilà, comme ça, on vous montre ça, comme ça, vous savez ce qu'on fait avec vos thunes en fait. Hein, bah, dans ce merdeau. Globalement, ouais. Voilà. Hop là! Bonjour les gens, je suis essoufflé, on vient de monter 11 cartons. On a reçu les bonnes parties. Carton mais lourd. Ah ouais. Mais quand je pense qu'on va avoir 3555 bouquins, bah 4000 bouquins. C'est horrible. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est les marque-pages. Waouh, ils sont grands, sa mère. Je pensais pas qu'ils étaient si gros. Ah oui, d'accord, c'est pas des petits. Au moins, tu rates pas ta page. Bon, ça a l'air très bien imprimé, ça. Par contre, c'est très bien imprimé, ouais. Ça va? Un dessin de moi-même. Des gros boobs, des gros fiacs. Fais voir que je le regarde à l'œil nu, mais c'est parfait ça. C'est tout net et tout. Franchement, je suis content. Bon, ça, c'était les marque-pages un peu gratos hein, qu'on a offert parce qu'on a passé un certain cap. Et il y a le deuxième. Garde-le dessus. Ouais, je vais le garder, ouais. Ils sont bien imprimés, fais voir.
Non, ouais, il est moins bien ouais, celui-là. Si, ouais. Non, ça va. Il est correct. Bon, après, c'est pas grave, hein, ils sont gratuits ceux-là. Les gens ont pas payé, c'est bah, cadeau. C'est vraiment. Ouais, celui-là, il est un petit peu tendancieux. Ouais, ouais. Mais en vrai, il passe. Hein. C'est bonus. Hein. Des bonus. 1500. J'espère qu'on n'a pas de merde. J'avais un peu peur. Normalement, on a payé le service pour qu'il règle s'il y avait un problème. Attention. Waouh. Ouais, super, il n'y a pas de bordure. J'ai peur qu'il y ait une, j'ai peur qu'il y ait une bordure. On peut en prendre un. Ouais, c'est bien net. Ah oui, je suis content. Ça soulage. C'est un peu ça l'angoisse quand tu commandes chez un imprimeur. Waouh, oh, le poster wow. ICK. On va pouvoir l'afficher quelque part, tu vois. Ah bah oui. Ah bah ouais, oui, forcément. Fais voir, moi, de plus près, je sais pas. Waouh. Waouh, franchement. La qualité. On remarquera la qualité de cette colorisation, hein, qui est de moi-même. Waouh. Ok. Il est plutôt épais, on n'a pas pris le truc de merde. Le joli poster, oui, bah celui-là c'est bon, pourquoi les autres seraient pas bons, hein? Waouh! C'est posé sur le. Bon, là il y a le soleil qui tape dedans, là, mais. C'est émouvant, là, ou pas? Là, c'est pas le début de quelque chose, là? Croyable. J'irais même plus de croyable. Voilà, je l'ai dit! Isekaira, c'est le merch. Incroyable. Allez. Bonjour, nous sommes jeudi 13 mars, c'est ça? 14 mars. Donc là, la dernière fois que vous nous avez vu, c'était hier. Donc on a reçu tout 95% des contreparties. Voilà. Et là, avec Steven, il est en train de nous rédiger la petite news du mois de mars pour la page de Kiss Kiss Bang Bang. C'est ça. Oui, nous, on va leur dire, bah voilà, les gens ont jusqu'à demain. Demain. Si vous voulez votre nom dans le. Enfin, ceux qui ont pris les packs pour avoir leur nom dans les remerciements du livre, et si vous voulez mettre un nom différent, on vous laisse jusqu'à demain midi. Pour les films. De toute façon, ça sera déjà passé au moment où vous verrez ça, mais bref. Donc, c'est pour vous juste dire qu'on avance, quoi. On bosse, quoi. Attends. Donc, là, bonjour Steven, tu es en train de rédiger ce petit post. C'est ça. Voilà. Je suis arrivé à bonjour à tous. Ça a bien avancé, oui. D'ailleurs, il nous manque encore des photos pour les chikichi du Jiggy Pack. Oui. Et ça, c'est un problème. Après, ah, j'ai oublié de remettre le poster au-dessus de l'affichette. Voilà, avec voilà. Les. Ah, il est magnifique, là. Il est magnifique, hein. Magnifique. Donc on avance. D'ailleurs, les gens me demandent, mais quel est ton travail, Steven? Oui. Oui, voilà. Bon, on a fait un peu le ménage, c'est encore un peu le bordel, parce qu'on a plein de cartons, du coup, hein, pour stocker. Donc voilà, ça avance, hein, mine de rien. C'est ça qui est bien. Il y a quoi au programme aujourd'hui, à part ce poste? Je me souviens plus. Ah oui, moi je suis sur le menu manga, là. Ah, oui. C'est à peu près tout. Oui. Ça va être une longue journée parce qu'on a du content à faire. Il y a ça et puis il y a ça aussi. Il y a préparé aussi la venue des gens. Ouais, on est là-dessus, ouais. Ouais, ouais, bah ça on vous montrera, on vloguera aussi quand on fera les petites visites là. Ah bah, on a pas mal de visites. Là on a trouvé la date, tout le monde était d'accord. On a eu un petit problème avec un gars qui était pas dispo. On lui a proposé un remboursement. On lui a renvoyé le pack à 300 plus remboursement quoi. Donc il aurait eu ça gratos, c'est tout. Petit geste commercial et le gars fait non, c'est un don. Bon, il nous a fait comprendre qu'il avait clairement de l'oseille. Donc ça nous fait plaisir. Nicolas, je crois qu'il s'appelle. Bah merci Nicolas. Bon, on va quand même faire un truc pour lui. Ouais, bah pas une pensée, on va faire un truc, mais on sait pas encore quoi. Mais t'inquiète, on va te rendre l'appareil, y a pas de souci. Donc ça avance. Voilà, par contre, y a plein de gens. Plein de gens, ils ont pas compris le concept, tu sais, des pseudos dans le livre. Ouais. Ce qu'ils nous envoient, genre, mettons, il y a un mec qui s'appelle Mathieu Leroux. Et ben il dit, oh, moi je veux mon Mathieu Leroux dans le livre. Mais frérot, on le sait déjà, c'est marqué sur. Où il y en a un mec, il y a des gens qui veulent faire des petites blagues. Ouais, il y a un mec qui s'appelle Jean Cultasseur. Ouais. Et sur adresse postale, quoi. Adresse postale, Jean Cultasseur qui arrive et qui habite 3 rues machin. Donc il t'a répondu lui, non? Non. Il n'a toujours pas répondu, donc j'espère que ça arrivera. Hein. Il y en a un aussi qui s'appelle Jean Valjean. Jean Valjean, c'est peut-être un vrai prénom. Non, c'est pas possible. Bah, pourquoi? Ça passe pas à la préfecture, Jean Valjean. Pourquoi ça passerait pas? Bah, après, si l'adresse elle est bonne, ça devrait arriver. Hein. Il y a aussi Jean-Michel Michmich. Jean-Michel Michmich, ouais. Alors, il y en a, ils ont confondu leur pseudo et. Et le nom de. Après, c'est pas forcément un frein, parce que moi, à l'époque, quand je bossais de chez moi, que je recevais les services presse chez moi, c'est marqué chez Photocu, hein. Mais ça arrivait quand mais même. Parce hein. Que t'étais en maison. Non. En appart aussi. En appart aussi. Hein. Et que ça arrive où? Quel mot t'allais? Quoi qu'il y avait peut-être mon nom marqué après. Bah ouais, parce que c'est pas possible si t'es dans un appart. Bah, peut-être qu'ils sont si en maison. Si t'es en maison, y'a pas de soucis. Oui, oui, oui. Même Jean-Claude Tasseur, y'a pas de soucis. Mais Bah on verra. Voilà.
Bon, par contre, il y a un truc, c'est un peu la merde, c'est le jour où on a prévu de faire le gueuleton. C'est le passage de la flamme olympique sur Brest. Donc ça risque de ne casser les couilles niveau circulation. Surtout que là, on vise un hôtel 4 étoiles pour que les gens soient bien. Et le problème, c'est que c'est au port et le truc se passe au port, quoi. Vumer! Il y a Vumer à l'hôtel, non? Il n'y a pas Non. Vumer. Mais c'est au port quand même. Tu verras aux effluves marines. Donc voilà, donc ça avance là, pour aujourd'hui. Moi, je suis en train d'écrire le menu manga là. J'ai fait un menu manga free reign. Le script fait 12 pages. En changeant un peu la formule, la vidéo va être longue sa mère. Voilà. Donc on avance bien. Et puis voilà. Hein. Je voulais dire autre chose, mais je ne me souviens plus ce que c'était. Bah ça bosse quoi. Ouais, ça avance. Bah là, quelle heure il est? 10h30? 10h. 10h37. Ouais, voilà. Donc ça avance. Donc c'est bien. Donc petit journal de bord. À bientôt. Hop, là c'est la pause du midi, ça c'est vraiment le bordel. Là. On va faire quoi? Un Tenkaichi 3. Festival a ramené sa console pirate là. Non, la peine, non. Non, c'est pas pirate, c'est totalement légal. C'est totalement légal. On va se taper une petite partie, c'est la pause du midi, du coup, les midi et quart là? Midi et Comme ça, quart, hein. Ouais. Putain, ça date de 2007. Comme on est vieux. Oh, vous vous souvenez de ça? Waouh. Bon, les petites games, je pense que je vais gagner, même si j'ai pas joué depuis 1000 ans. Oh, oh, l'écran! Mais ça, c'est de la merde! T'es fait arnaquer! Là, il est en sueur, là. Ah, t'as pas de memory card, comment tu fais? Bah, si, il y a une memory card. C'est une vraie PS2, enfin. J'ai ramené la Bon, on PS2. va voir si ça marche. Hein. Bonjour, nous sommes le lundi 18? Ouais, c'est ça. Non, 19, mardi 19. Mardi Mais on 19, est même pas putain, lundi, on est mardi, j'ai la merde. l'impression que t'es dimanche. On est rentré de Paris Manga et aujourd'hui on a plein de rendez-vous autour d'Isekaira. Là on a rendez-vous à un restaurant. Ouais, on a des rendez-vous dans des restaurants. Un restaurant gastronomique, c'est gastronomique? C'est ça. De Brest, très stylé, situé dans un manoir et tout. Là où on va peut-être, très peut-être. probablement, organiser. C'est bon. Le gueuleton du chef, du coup on va en profiter pour goûter. Faites sans s'y attaquer. Ensuite on a rendez-vous à la poste. La poste pro. Hein. La poste pro, bien Il y a évidemment. des gens qui vont se demander pourquoi on envoie nos colis par la poste. Oui, la poste pro. C'est la poste pro. On a rendez-vous avec une commerciale qui va nous faire des devis. Ensuite on a visité un hôtel pour loger les gens. Et enfin, après on va voir un autre fournisseur pour des petites surprises pour les gens qui viennent. C'est Voilà. ça. Donc on a une Donc, grosse journée. Grosse nerveuse, journée, quand on n'est pas rentré avant 17-18h là. Et là, il est quelle heure? Il est 11h30? 11h44. Voilà, donc sinon ça avance bien. Là, on a reçu la maquette, donc on a vérifié les corrections propres. Enfin, la maquette. Le manuscrit corrigé. Il n'y avait pas tant que ça de fautes finalement. C'était Non. plus des fautes d'espacement, C'est ça. un truc comme ça. Parce qu'ils nous ont envoyé la version en nous montrant les fautes et la version corrigée. Enfin, bref. Donc ça c'est réglé. On va attaquer la maquette. Je pense qu'on prendra de. Parce que là en fait c'est un livre, donc c'est pas très compliqué à faire une maquette d'un livre écrit. Il n'y aura pas énormément d'images non plus. On va pouvoir gérer nous-mêmes, je pense. Par contre, pour la couverture, je pense qu'on va peut-être faire appel à un graphiste. Ouais, peut-être. Hein. Parce que c'est toujours là que j'ai du mal, moi. Et sinon, bah, ça avance bien. Par contre, il y a tout ce qui est dépôt légal. Ça a l'air d'être une galère, ça. Et obtenir le numéro ISBN. J'ai été voir, apparemment, ça prend 3 semaines. Sauf que nous, ça va nous mettre en retard sur nos conneries. Donc, on peut payer pour que ça aille plus vite. 80 euros si hors c'est pas taxe. De, si c'est pas de la. C'est de l'extorsion, clairement. Hein, voilà, je le dis. Donc, bah, on va faire ça, quoi. Puis c'est tout, hein. Et puis voilà. Donc, ouais, l'édition, c'est compliqué quand même. Hein, c'est complexe. Ah, ça demande du taf, Ouais. Waouh. Franchement, on se fout pas de votre gueule, là. Rien que là, les 1000 balles, je les vois. C'est oh, oh, dur. Oh. On teste avant. On se donne, hein. On se donne beaucoup. Franchement, on se donne. On se donne beaucoup. C'est fou. Petite mise en bouche. Franchement, je sens le burn-out. Là, je suis pas bien. Là, je suis pas bien du tout, là. Non, c'est dur, hein. Je t'ai fait m'en bouffer, ouais. Alors? Alors? C'est dur. C'est dur, hein. Je pense que je vais y avoir le matin du travail. On est pas bien, là.
Non, on n'est pas bien. On prend rendez-vous. Hein. Mmh. Ah. Alors, pigeonneau. C'est bon, les encore une fois, pas trop fatigué, ça va? T'es pas trop stressé au travail? Non, c'est bon, hein. C'est... Allez. On n'a pas fumé tout le repas parce que c'était indécent. Oui, et parce qu'il faut pas non plus spoiler. Il faut pas spoiler. Quoi. Après, ça sera pas forcément le même menu. Ça sera pas le même menu, mais ça sera le même endroit. Ce sera le même endroit, sachant qu'on va, on a réservé un salon privatif, ouais. Et qu'il y a un fumoir. Et un fumoir. En fait. Ça veut dire dégustation de belles vitoles de Cuba. Ah là là là. Et ça, c'est incroyable. Ils vendent pas de vitoles. Ils n'ont pas de carte de cigare, mais il y a moins le fumoir. Mais il y a le fumoir, donc il va falloir se réapprovisionner avant en fret. C'est une journée très productive parce qu'on a quand même trouvé le resto. On a quand même quoi ? Oui, bah oui, ça savait déjà, parce qu'on savait déjà que ça allait être là, plus ou moins. Donc voilà, on a très très bien mangé. On va pas se mentir, c'était la régalade. Après, en vrai, j'ai déjà vu un peu mieux. Oui, mais. Mais franchement. Puis la clientèle, on était les seuls en dessous de 40 piges. Hein. Ah oui. Voire en dessous de 50. Dessous de 50 en plus je 50, pense qu'on peut dire en dessous de 50. À côté de nous, il y avait une table de médecins, ils étaient en train de parler chirurgie. Ouais, c'était pas même derrière aussi, au Ruinard direct, ils ont commencé les gars. Ouais. Pour le moment, j'ai dit, ça c'est un défi. Ça c'est une provocation. On a une bouteille chacun, j'ai quand même pris un Perrier. Mais je fais attention. On avait pas trop le temps. En même temps, à 7 euros le Coca, 7 euros le Perrier. Ah, 7 euros le Perrier. Ah, je vais pas vous mentir, on a eu pour 160 balles. T'imagines combien on va en avoir pour la soirée là? On est 16. On est 16. Et là, on a pris le menu classique, le moins cher. Classique, là, on prévoit le BXI Best Of. Donc, ça va coûter très très cher. Donc, je reprécise, hein, vous avez payé 1000 euros, mais ça va coûter bien plus. Ouais. Donc, vous êtes gagnant. Ouais. Vraiment. Mais nous, moi, on fait vivre une expérience. Quoi. Là, dire qu'il y en a, ils croient qu'ils vont arriver, ils vont avoir. C'est qui a dit c'est l'autre là? Le passage à YouTube, il a dit. Ah oui, il va aller au Super U. Il va prendre des trois merguez. Des trois merguez, non. Et un Ouigo pour le train. Ah non, train première classe, hôtel 4 étoiles, bah là on va y aller. Là, certains prennent des Ouigo. Oui, mais parce que c'est, non, mais c'est des trains Ouigo. C'est pas c'est des Ouigo. Ah non, non, non. Il n'y a que ça. Donc voilà, ça va bien se merder, se démerder. On va avoir des VTC et tout à disposition normalement. Ah non, mais ça va faire vraiment un week-end de luxe. Ah, ça va être princier là. Ah. Là, on est dans mon sous-sol plein de bordel avec Steven. On est venu récupérer la Tsume HQS Majin Vegeta qu'on va envoyer de ce pas au gagnant du concours de la campagne Isekaira. Là, on a ouvert juste pour vérifier que c'est en bon état encore. Normalement, je l'ai jamais ouvert donc c'est bon. Enfin, j'ai ouvert une fois pour voir avec quelle gueule ça avait. Je l'ai jamais monté ni rien. Normalement, tout est flambant neuf. Voilà, donc là, on va l'emballer. Voilà. On va le peser et emballer, c'est peser. Emballer, c'est peser. C'est parti. Et puis, on envoie ça à la poste. Oui. Nous sommes le vendredi 5 avril. Je crois. Nous venons de recevoir les calendriers du chef. Et on va vous montrer la cover, on va pas vous spoiler l'intérieur. Ça c'est pour ceux qui ont pris le pack à 300. Ça c'est pour nous tout seuls. Pack à 300 et pack à 1000. Et pack à 1000, ouais. Les riches quoi. Du coup on en a commandé 30. Oui. Je suis persuadé que les gens ils avaient même pas vu qu'il y avait un calendrier. Bah non, on n'avait pas fait de visuel. Non, on n'en avait pas parlé du tout. On n'avait pas d'idée du visuel. On investit dans un canif hein, parce qu'on a toujours des. Bah ouais. Du couteau là. Ouais, je suis impatient. Wow. La cover est incroyable. La cover est incroyable. Et vous verrez que la cover. C'est l'intérieur. Sans spoiler, moi. Mais... Voilà. Wow. Alors. Bon, ça donne bien. Hein. Allez. Bon, allez. On va... Bon, après moult péripéties, nous avons reçu notre premier échantillon de la maquette finale. Mais voilà la mission, putain de livre de merde. Mais je comprends pourquoi les gens reçoivent pas leur colis, hein. Souvent en financement participatif, si les gens passent par FedEx. Bah, si Steven n'aurait pas piqué sa gueulante chez FedEx, on l'aurait pas reçu. Ah bah non. On a attendu encore lundi, il nous aurait fait le même coup, de pas s'arrêter, de passer on trouve pas. Ils ont pas cherché. Chien. Je déteste les livreurs, voilà, je vous déteste. Wow. Sauf les livreurs Uber Eats. Allez, fais voir. Oh, ils ont l'air magnifiques! Ils ont l'air magnifiques! On n'avait pas commandé 10? Si, pourquoi il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y en a 12? Ouais. Bon, on a eu deux pour le prix là. Peut-être qu'il y a peut-être à cause du retard. Ah, c'est pas parfait! Comment ça, c'est bah, la tranche, elle est un peu décalée. Bah, ouais, mais ça peut pas être décalé partout aussi. Juste la tranche, sinon le reste ça va. Hein. Faudra refaire la.
La maquette de la tranche. Ouais. Ouais, il y a l'ISBN et tout. Waouh. Tu vas pouvoir faire le dépôt légal, mais on va quand même repasser sur la maquette là. C'est ouais. Juste la tranche qui est. Bah, c'est compliqué les tranches, hein. Qui est pas centrée, quoi. Donc c'est pour ça qu'on commande d'abord un petit échantillon. Ah. Pour être sûr qu'il soit même, bien. Que... Ah oui, mais on va pas les livrer ceux-là, quoi. Non. On file aux collègues et puis voilà. Ouais, copains, et puis... Ah, c'est beau, allez, je vais l'ouvrir un petit peu et puis. Voilà. Voilà, on va chercher un stock d'enveloppes pour les. Tamponner. L'adresse d'expédition. Voilà, parce que les envois, les bouquins arrivent la semaine prochaine. Mais bien sûr, pas l'adresse du siège. Tout à fait. Donc voilà, vrai travail, on a acheté des bacs à IKEA et tout, attention. Ça bosse. Entrepreneur. Voilà, on est avec Steven, on attend devant notre box là. Encore. Encore. C'est que ça. On n'a pas une seule livraison qui arrive à l'heure. Voilà, là on attend les bouquins en plus, c'est le plus important de toutes. Et au moins on sait maintenant que il n'y a aucun transporteur qui se dit. Les transporteurs privés, c'est de la merde. La poste c'est cher, mais la poste c'est bien. Voilà, je le dis. Au moins. Je le dis. Mais c'est des colis, ça peut se perdre, ça peut arriver des colis se perdent, mais là. Là, il y a 3 transporteurs qu'on a fait, il n'y en a pas un où ça a été clair. Ouais, non. Donc en fait, on a eu le. C'est censé arriver aujourd'hui dans les horaires de bureau. Mais ils disent pas c'est quoi les horaires de bureau. Et là, seulement nous, on est 18h, ça ferme. Nous, on a accès 24h/24. Mais bon, du coup, on est obligé de rester là. Parce qu'à la base, on avait payé un mandat pour qu'ils puissent prendre à notre place. Mais du coup, le mandat sert à rien parce que s'il arrive, on doit le récupérer nous-mêmes. Ah ouais. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, je suis saoulé. On dirait que tu fais 1m95. Ouais, je sais, c'est ce que je suis sur un truc. T'es super grand. Et donc, bah, du coup, on va attendre tranquillement. Là, ça doit être le moment émotion où on découvre nos bouquins. Il n'y a pas de café, il n'y a rien. On est dehors comme des clochards. Mais Uber Eats, il passe. Uber Eats passe. On va bouffer là. Du coup, on a prévenu. Enfin, moi, j'ai prévenu ma femme que je ne vais pas rentrer. Ah merde, c'est pas. Peut-être falloir prévenir. Comment j'ai dit ça comme un fils de pute? Prévenir? Ah, je me dégoûte. Pour prévenir là, c'est bon. Et encore on prévient parce que bon on est gentil, on fait ce qu'on veut. Hein. T'as cru... ah, oh. On fait ce qu'on veut hein. Il n'y a pas de tabac dedans, hein. Il y en a qui... Voilà. Oh tu me déçois chef, tu fumes. Mmh. Bah non. Ça m'occupe. Mount Ice, c'est pas mal. C'est un peu le cancer mais ça devrait aller. Mais bref on attend quoi, c'est bon. Bah c'est relou, mais il n'y a pas un seul truc hein. À chaque fois qu'on a commandé un truc, non, et là, on a un temps soit peu important, il n'y a rien qui arrive à l'heure. Là, via TNT. Ah TNT c'est fils de chien. Pareil, ah on les a pas on les a pas expérimenté encore. Bah, on a fait FedEx, on a fait UPS. C'est la merde. DHL maintenant. On a fait DHL là, on a fait FedEx. FedEx ouais. Et là on, on les a tous fait là du coup. Quasiment, bah, quasiment et ça s'est jamais bien DPD, passé. DPD on les a fait aussi. Par quoi? Pourquoi? Je sais plus, mais il y a eu un problème aussi pareil, ils ont dû repasser. C'est ah ouais pour les posters. Ah ouais. Je crois que c'est pour les posters peut-être. Hein. Le seul truc qui est arrivé en temps et en heure, c'est Colissimo Chronopost. Ah ouais. Chronopost, il t'appelle avant. Bonjour, j'arrive dans 10 minutes, vous êtes chez vous? Oui. Nickel. Alors Chronopost, ils sont pas forcément à l'heure pour le prix que c'est, parce que de base Chronopost c'est fait pour arriver en 24 heures. Ouais. Ils arrivent pas toujours en 24 heures, des fois ils arrivent en plus. Mais ils arrivent. C'est con pour un truc de... que tu payes beaucoup plus cher pendant le. Et t'as pas une fourchette entre 7h et 23h. Mais au moins. Là, toi, c'est... Bon leur calibrage sont nuls pour les timbres. Ah mais oui ça c'est une galère aussi. Hein. Ouais parce qu'on fait nous-mêmes les livraisons. Ça en rappelle? On fait nous-mêmes. Le nous-mêmes. Suivi. C'est pas juste envoi, nique ta mère, suivi. Comme ça on sait qui aura dans sa boîte à lettres à tel moment. 20 000 balles les envois, 20 000 plus, plus au moins 25 000 je pense. 25 000 balles les envois. Plus les enveloppes. Plus les enveloppes. Plus les étiquettes pour les timbres en ligne. Plus les étiquettes, plus encre de la machine. Voilà. Oh qu'est-ce qu'il nous reste nous à la fin? Nos yeux pour pleurer. Voilà, c'est ça. Et en plus ça arrive pas. Ça arrive pas en retard, voilà. Enfin ça arrive pas à l'heure. Donc c'est relou. Bon voilà quoi, tellement long la suite tout à l'heure, s'il y a une suite. S'il y a une suite. Voilà. Bon, on est là presque une heure après là, donc voilà, donc là, c'est le pampan là. Là, c'est... Ah, jusque là. UPS, c'était déjà là. UPS, ils étaient là. FedEx, ils étaient là. DHL. DHL, ils sont là. C'est-à-dire qu'on appelle le service client, le service client n'a pas plus d'infos que nous. Non. Limite, on doit lui donner les infos qu'on a. Ouais, que le robot nous a dit plus d'informations. Voilà, alors maintenant, en fait, le temps qu'on fasse ça, il y a une mise à jour sur le suivi.
Et en fait, maintenant, donc on a rappelé pour être sûr. En fait, ce matin, on a une notification que les palettes, parce que c'est des palettes, des palettes hein. sont parties de Nantes à 10h17. 57. Non, 17. 17 17, tout ouais. à l'heure j'actualise le truc, je crois que je connais les chiffres. 10h17. Donc on se dit, bon, Nantes-Brest, normalement, il n'y a pas 8 heures. Et là, on a une notification comme quoi, à 15h56, donc la notification, la 2 heures, qu'il est 2 heures trop tard, qui nous dit, ben en fait, il est arrivé à Nantes. Il y a un problème, frérot, là. T'es déjà à Nantes. Donc là, on a appelé, et nous dit, non, c'est toujours prévu aujourd'hui, la livraison. Ouais. Et ça devrait arriver. Avant 21h59. Voilà, date limite, de heure limite de livraison, 21h59. Sauf que là, actuellement, il est quoi, 18h, 18h15? Et la deuxième partie, c'est qu'on a appelé le service de livraison, enfin le service client, qui nous a dit « Pas de souci, j'envoie un message au livreur pour qu'il vous appelle bien avant. » Ça marche pas. Mais ça marche pas parce qu'il est en train de conduire et qu'on n'a pas le droit d'envoyer de message aux gens qui conduisent. Mais ça marche pas sur la livraison, du coup on peut pas envoyer de message. Pas envoyer de message, donc ils n'ont aucun contact avec le livreur. Voilà, et nous on peut pas se barrer, parce que si on se barre, le portail est fermé. Ouais. Donc le gars, comme ça, un putain de livreur de merde. Il va partir. Il va se fermer, il rentre chez moi. Il rentre chez moi, hein. Et puis hop, il va pas nous appeler. Je veux pas faire du mépris de classe ou quoi que ce soit. Ah mais... Mais là, les livreurs qu'on a eu là, ces temps-ci, mais... Ça vole pas. Putain. Je vais pas dire ce que je pense. Mais c'est terrible. C'est terrible. Bon, moi, ils ont le permis, moi, je l'ai pas. Putain, sans déconner. Du coup, on est un peu chafouin, on est un peu... Parce que là, on est... là il me reste 25% de batterie sur mon téléphone, il est 18h. On est dans une zone industrielle, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien autour, il n'y a rien. Il n'y a même pas une bouteille d'eau. Et puis en plus, même si on s'en va là, c'est bouchonné de partout là. C'est bouchonné de partout. Si on va passer tout le temps dans les bouchons. Le camion. Donc aussi bien, on va être dans les bouchons. Le camion, il va être là de côté, il va venir ici, il va faire « Oh, bon, il n'y a personne. » Et il va se barrer direct, c'est sûr, il va faire « Ouais, personne. » C'est sûr, c'est sûr. Ah, je pars. Donc là, on n'a plus qu'à prendre Uber Eats, à manger dans la voiture et puis du coup quoi. Bah si Uber Eats vient... Sur l'application, c'est bon. Ah bah s'il vient, il vient. Hein. Mais t'as un truc pour recharger les téléphones là, parce que. Bah on va regarder, on va trouver un câble. Là, ça va être gang. S'il y a pas de chargeur ou quoi que ce soit, on est dans la deux mer. Hein. Parce que plus toi t'as jamais de batterie. Toi. Moi. Ouais, t'as jamais de batterie. Mais le pire, c'est qu'il y a une possibilité qu'on reste attendu jusqu'à 22h. Mais qu'il vienne pas. Là, il faudrait un sub. C'est tout à fait possible qu'il vienne pas. Là, il faudrait un sub intergalactique. Ah, oh, c'est des trucs qui chient, mais c'est fou. Ouais, c'est le petit pharmacome, ta voiture. Hein, hein. Bah, ouais, t'as prévu au moins que tu rentrais pas, du coup. Oui, j'ai prévenu, bon. J'ai dit que la livraison arrivait vers 22h. Donc là. C'est l'aventure. L'aventure, on se revoit. Bonjour, nous voici le lendemain. En vrai, spoiler, le gars est pas venu hier. Mais, on est avec T-Chef, on est avec Steven, on a reçu. Notre pactage. Ils sont tous là. Enfin, ils sont pas tous là. Il y a 4 palettes comme ça. Il devait avoir 125 cartons. Hein. 125 cartons. Et je filme comme d'habitude, comme une grosse merde. Ils sont là, ils sont corrigés, ils sont propres. Ils sont magnifiques. Ils sont même mieux imprimés que les. Ouais. Les petits exemplaires qu'on avait fait. Donc là, c'est la perfection. Hop, c'est bon, on a tout rentré dans le box. C'est beau. Ça nous aura pas pris longtemps. Ça nous a pas pris longtemps, non. C'est peut-être une demi-heure, vraiment. La manutention quand même. On va en avoir 12. Si on a plus de 12 cartons, c'est qu'on a plus de livres que prévu. Ah bon ? Bah tant mieux, non ? Bah oui, tant mieux. Parce que la dernière fois, on a demandé 10, on a eu 12. Peut-être que ça fait. On va peut-être essayer de checker quand même. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à remonter ça au bureau. Enfin, pas ça, mais un petit stock au bureau. Et puis, on va commencer les envois dès ce soir. Et ça, c'est beau. Hein, petit Jeff ? Tu es content ? Qui nous aide bénévolement, hein, parce que je le rappelle, au cas où les. Voilà, qu'est-ce qu'on fait là ? On a la poste. On envoie. Petit envoi, ça fait plaisir. Bonjour Steven, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Eh ben, je fais des colis. Il avance un peu les plis pendant que moi je fais une vidéo réaction à Deadpool and Wolverine. Voilà. Étiquette non, petit timbre, sachant qu'on a fait des timbres personnalisés. Et suivi. Avec le logo spatule. Et suivi. Alors, au moment où vous parlez, il y a presque 1000 personnes qui ont été livrées là. Il y a 826 personnes qui ont été livrées. Voilà. Exactement, c'est pour ça qu'on suit. Voilà. Donc, ça, on peut savoir qui est livré, qui est pas livré. C'est un incident, 5 incidents, c'est tout. Regardez-moi tout ça. C'est même pas 1%. Ça, il y en a combien là? Il y en a 400 là-dedans, 300, 400? Ici, non, il y en a 320. C'est ce qu'on va faire ce matin, on va envoyer ça, et cet après-midi on fait autant. Et voilà.
Le travail, quoi. Oui. Hop, vlog en direct des bureaux de Spatule Production. C'est un peu bordel. Là, il y a plein d'envois qui partent. Là, il y a la petite boîte à retour. On a eu que combien de petits retours pour l'instant? Alors, on va... là, il y en a moins, 7. 7, parce qu'il y a des gens, ils nous ont dit... Il y en a un, il nous a dit, allez, changez mon adresse, et il habite pas à l'adresse. Toi, si on t'attrape. Il y a 983 personnes qui ont reçu les colis. Ouais. Bah là, on a envoyé plus de la moitié, là. Là, on a envoyé plus de 2000. Ouais, donc ça devrait arriver incessamment sous peu, ça avance. On a envoyé aussi dans les Unions Européennes. En une semaine, je vous le rappelle. En une semaine, on a envoyé 2000. On est cassé, mais... Et on est deux, trois, allez, on est meilleurs. Et là, je commence les dédicaces. Wow. Voilà, personnalisé. Ce que j'ai précisé, ça personnalisé, donc je suis obligé de mettre le nom de tout le monde. Donc ça va être long. Il y en a 1000. Il y en a 1000. Là, on teste un process, en fait. Ah, bah, c'est ça. Pour voir, parce que faut pas qu'on passe... Si je mets 5 minutes par bouquin, on va pas s'en sortir. Donc faut vraiment que ça aille vite. Donc on va voir comment ça va se gérer. Là, on a une proposition, sachant qu'on peut pas faire tous les packs aujourd'hui, parce qu'on peut pas acheter de timbres. Parce que la banque, elle casse les couilles. Alors, on a l'oseille, hein, c'est pas le problème. Hein. Le problème, c'est que bah, y a un plafond. Il y a un plafond de 10 000 euros. Voilà. Et on est déjà, ouais, on est presque à 20 000 euros de timbre. Voilà, voilà, donc, hein, bon. Bah voilà, allez, au boulot. Bonjour, monsieur Steven. Nous sommes le vendredi 3 mai. C'est le dernier chargement d'enveloppe classique. Classique, après, il y a que des Colissimo. Après, c'est Colissimo à l'étranger, tout ça. C'est ça. Hier, on a fait un 8h-20h. Ouais, c'est ça, 12h. Ouais. Pour tout finir. Et vu que je vlog, c'est lui qui charge tout, quoi. Voilà. Quelle belle aventure. Ah, j'en prie. T'es ému? Je suis content. Je suis content. Après, bon, il y aura ceux qui sont trompés d'adresse, quoi. Envoyé. Ah, les casse-couilles. Ouais. Ah, je t'avais pas dit combien il y en a pour l'instant? Non. 30. Ah, c'est tout. 35, je crois. Ça va. Bon bref, allez. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai filmé durant cette folle épopée. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura amusé. Nous, on a kiffé faire ça, c'était très compliqué, mais c'était palpitant. Et on a hâte de s'y remettre pour la prochaine campagne du Spatule Jump. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et un prochain vlog qui vous retracera la fameuse soirée gueuleton du chef. Qui était pas piqué d'un ton, vous verrez. À bientôt, que la passion vous guide.